Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Duplicate Club, votre chaîne de Scrabble Duplicate sur YouTube, avec un rendez-vous quasiment quotidien. Tous les jours, vous avez une partie déclinée en trois versions de temps de réflexion. Donc si vous avez des préférences pour les parties en 3 minutes, en 2 minutes, en 1 minute, le vocabulaire courant, le vocabulaire complet, l'aléatoire, la normale, le joker, la 7 sur 8, enfin, vous avez l'embarras du choix. Vous avez toutes les possibilités pratiquement. Donc voilà, si vous ne trouvez pas votre bonheur ici, ma foi, je ne peux pas faire grand-chose pour vous. Voilà, allez, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Nous allons jouer une partie normale à vocabulaire courant. Vocabulaire courant, c'est-à-dire que les tops sont des mots a priori relativement connus. Il peut y avoir parfois hein, des petites exceptions, notamment en fin de partie, parce que c'est jamais évident de maintenir la notion de vocabulaire courant jusqu'au dernier coup, parce qu'il faut bien se débarrasser des dernières lettres. Et puis parfois, il se peut qu'on ait un top retenu qui ne soit pas forcément de vocabulaire courant, mais on a systématiquement, dans ce cas-là, un isotope qui, lui, est de vocabulaire courant. Voilà, c'est juste qu'on choisit l'autre solution parce qu'elle est plus à même d'ouvrir la suite de la partie. Voilà. Vocabulaire courant, ça ne veut pas dire que c'est forcément facile, c'est-à-dire que les mots sont connus, mais ils peuvent être difficiles à... les tops, hein, ils peuvent être difficiles à construire, et puis aussi parfois difficiles à placer. Hein. On peut avoir une collante intégrale, ça peut arriver, en vocabulaire courant. C'est pas un critère, le critère c'est vraiment le niveau de vocabulaire. Voilà. Donc, on va y aller à l'issue de la partie, le traditionnel décodage. Donc on passera en revue les coups de la partie pour voir les isotopes et les principaux sous-topes de chaque coup. On verra également les définitions des quelques mots peu courants qu'on aura rencontrés forcément dans ce cas précis en sous-top ou en isotope. Et puis, troisième temps du décodage, on passe en revue les tirages de chaque coup pour voir leurs potentialités, c'est-à-dire les solutions en 7, 8, et puis parfois 9 lettres que nous n'aurions pas vues pendant, soit pendant le premier temps du décodage, soit pendant la partie en elle-même. Voilà, je vous ai tout dit. Et donc, on va démarrer dans quelques secondes. Je vous souhaite une très très bonne partie. Vous n'avez aucune lettre devant vous. Et voici Xénophon X, Norvège N, Italie I, Luxembourg L, Algérie A, Égypte E et Suisse S. Vous jouez avec Xénophon, Norvège, Italie, Luxembourg, Algérie, Égypte et Suisse. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 50 points. Faites attention à la solution choisie. Horizontalement, en H3, nous posons Exila. E, X, I, L, A.
S sur la case centrale. Nous avons joué Exila, E-X-I-L-A-S en H3 pour 50 points. Reliquat d'une lettre, Norvège. On y ajoute Suisse, S. Égypte, E. Suisse, S, c'est le deuxième. Égypte, E, c'est également le deuxième. Tunisie, T. Algérie, A. Vous jouez avec Norvège, Suisse deux fois, Égypte deux fois, Tunisie et Algérie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Quatre-vingt-deux points pour le top de ce coup. Faites très attention à la solution choisie. Verticalement en 5D, on appuie sur le I de Exila, nous descendons essai. E, S, S, A. Le I de Exila, E, N, T. Essai, E, 2, S, A, I, E, N, T en 5D. Ça rapporte 82 points. Au reliquat, après ce Scrabble, aucune lettre. Voici un nouveau tirage. Wallonie, W. Roumanie, R. Italie, I. France, F. Belgique, B. Luxembourg, L. Et Uruguay, U. Vous jouez avec Wallonie, Roumanie, Italie, France, Belgique, Luxembourg et Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
Le coup est terminé. Vingt-huit points. Attention à la solution choisie horizontalement en D1. Pour terminer sur le premier E de essai, nous posons fibre. F-I-B-R et le E de essai. Fibre, F-I-B-R-E en D1, ça vaut 28 points. Un reliquat de trois lettres, Luxembourg, Uruguay et Wallonie, que l'on complète avec Océanie, O, Algérie, A, Égypte, E, deux fois. Vous jouez avec Luxembourg, Uruguay, Wallonie, Océanie, Algérie, Égypte deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 28 points, verticalement en 3B. En appui sur le B de fibre, nous posons web, W, E, B, le B de fibre, web en 3B. Ça fait 28 points. Cinq lettres au reliquat, Algérie, Égypte, Luxembourg, Océanie et Uruguay. Vous allez les rejeter. Donc vous rejetez le A, le E, le L, le O et le U. C'est dommage, c'est un joli reliquat. Et voici sept nouvelles lettres. Égypte E. Grèce G. Danemark D. Venezuela V, Égypte E, c'est le deuxième, Suisse S, Égypte E, ça vous en fait trois. Vous jouez avec Égypte trois fois, Grèce, Danemark, Venezuela et Suisse. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top qui s'élève à 33 points. Verticalement en 1D, en partant du F de fibre, nous descendons fèves. F-E-V-E-S. Fèves, F-E-V-E-S, en 1D, ça vaut 33 points. Trois lettres reliquats, Danemark, Égypte et Grèce. Vous ajoutez Italie I, Algérie A. Italie I, c'est le deuxième. Et Zambie Z. Vous jouez avec Danemark, Égypte, Grèce, Italie deux fois, Algérie et Zambie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Maximum à 73 points. Horizontalement en J1, en appui sur le N de essai, nous posons dénier. D, A, I, G, le N de essai, I, E, Z. Dénier, D, A, I, G, N, I, E, Z, en J1. Rapporte un score de 73 points. Après ce Scrabble au reliquat, aucune lettre. Voici Uruguay U, Canada C, Égypte E, Portugal P, Roumanie R, Océanie O et Luxembourg L. Vous jouez avec Uruguay, Canada, Égypte, Portugal, Roumanie, Océanie et Luxembourg. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top qui s'élève à 77 points. Faites très attention à la solution choisie et à la place. Nous jouons horizontalement en G7. En partant d'au-dessus du A de Exila, copuler, C-O-P-U-L-E-R. Le C forme ça et le O forme os avec le A et le S de Exila. Nous avons bien joué copuler, C-O-P-U-L-E-R, en G7 pour 77 points. De nouveau un reliquat sans aucune lettre. Après ce Scrabble, voici Suisse S, Algérie A, Maroc M, Égypte E, Italie I deux fois et Roumanie R. Vous jouez avec Suisse, Algérie, Maroc, Égypte, Italie deux fois et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 82 points. Faites très attention à la solution choisie. Verticalement, en 14B, de façon à mettre un A au bout de copuler, nous descendons. Remiser. R-E-M-I-S-A, qui transforme copuler en copulera, et I. Remiser, R-E-M-I-S-A-I, en 14B, ça rapporte 82 points. De nouveau, aucune lettre au reliquat. Après ce Scrabble, nous prenons cette nouvelle lettre que voici. Luxembourg, L. Italie, I. Tunisie, T. Égypte, E. Algérie A, Belgique B et Tunisie T, c'est le deuxième.
Vous jouez avec Luxembourg, Italie, Tunisie deux fois, Égypte, Algérie et Belgique. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 83 points. Horizontalement en I8. De façon à mettre un T au bout de remiser. Et en s'intercalant entre os et le Z de dénier, nous posons établi. E qui vient former oser avec OS et Z déjà sur la grille. T, A, B, L, I. Et le T final qui vient transformer remisé à I en remisé à IT. Établi ETABLIT en I8. Ça fait 83 points. Voici un nouveau tirage, puisque vous n'avez plus aucune lettre. Danemark D, Uruguay U, Roumanie R, Océanie O, France F, Suisse S. Et Maroc M, vous jouez avec Danemark, Uruguay, Roumanie, Océanie, France, Suisse et Maroc. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Points. Attention au mot choisi. Horizontalement en C9, en appui sur le E de remisé, nous posons foudre. F-O-U-D-R-E de remisé. Et n'oubliez pas le S final. Foudre, F-O-U-D-R-E-S en C9. Ça rapporte 30 points.
une lettre au reliquat, Maroc. On y ajoute Tunisie, T. Égypte, E. Votre premier joker, lettre blanche. Uruguay, U. Océanie, O. Uruguay, U, c'est le deuxième. Vous jouez avec Maroc, Tunisie, Égypte, joker, Uruguay deux fois et Océanie, chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce coup s'élève à 27 points. Verticalement en 1J, attention au mot choisi. Le joker sera un N de Norvège. Nous partons du D de dénier en descendant dûment. D, U, M, E. Le joker remplaçant un N de Norvège et le T. Dûment, D, U, M, E, N, T en 1J. Ça vaut 27 points. Deux lettres reliquat, Océanie et Uruguay. On prend pour compléter Luxembourg L, Océanie O, c'est le deuxième, Norvège N, une fois, deux fois, trois fois. Vous jouez avec Océanie deux fois, Uruguay, Luxembourg et Norvège trois fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Pas plus de 16 points. Verticalement en 11i, en partant du B de établi, nous descendons boulon. B, O, U, L, O, N. Boulon, 11i. Ça fait 16 points.
Au reliquat de lettres, Norvège deux fois. On rejette. Donc vous rejetez les deux N. Et on repart avec Italie I, Jordanie J, Égypte E, Norvège N, Hongrie H, Tunisie T et Maroc M. Vous jouez avec Italie, Jordanie, Égypte, Norvège, Hongrie, Tunisie et Maroc. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un top à 30 points. Horizontalement en M8, on appuie sur le haut, le deuxième haut de boulon. Nous posons mijote, M, I, J, le haut de boulon, T, E. Mijote, M8, ça fait 30 points. Deux lettres au reliquat, Hongrie et Norvège. Ajoutons Algérie A. Norvège N, c'est le deuxième. Yougoslavie Y. Égypte E. Et votre deuxième joker, lettre blanche, vous jouez avec Hongrie, Norvège deux fois, Algérie, Yougoslavie, Égypte et Joker. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le maximum sur ce coup s'élève à 47 points. Vous ferez très attention à la place du joker. Le joker est un E d'Égypte.
Verticalement en 14K, de façon à mettre un E au bout de mijote formé mijoté, nous descendons IN, H, Y, E, qui vient au bout de mijote pour faire mijoter et E, N, et le joker qui est un E d'Égypte. IN, H, Y, E, N, E en 14K, ça vaut 47 points. Deux lettres reliquats, Algérie et Norvège. On va les rejeter, donc vous rejetez le A et le N. Et voici Grèce G, Uruguay U, Égypte E, Algérie A, Luxembourg L, Danemark D, et Roumanie R. Vous jouez avec Grèce, Uruguay, Égypte, Algérie, Luxembourg, Danemark et Roumanie. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 68 points. Horizontalement en N3, pour terminer sous les deux premières lettres de mijoté, nous posons graduel. G, R, A, D, U, E, L. Le E forme me et le L forme il avec le M et le I de mijoté. Graduel en N3, ça fait 68 points. Aucune lettre au reliquat après ce Scrabble. Voici Norvège N, Kenya K, Kenya, Égypte E, Océanie O, Venezuela V, Tunisie T, Océanie O, c'est le deuxième. Vous jouez avec Norvège, Kenya, Égypte, Océanie deux fois, Venezuela et Tunisie. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
le coup est terminé. Cinquante et un points. Horizontalement en O8, en collante sous graduelle et mijotée, nous posons TEC. T-E-K. Le T transforme me en mais, M-E-T, et le E transforme il, I-L en il, I-L-E. TEC. O8. Ça fait 51 points. Quatre lettres reliquats, Norvège, Océanie, deux fois, Venezuela. On ajoute Algérie A. Norvège N, c'est le deuxième. Algérie A, c'est également le deuxième. Vous jouez avec Norvège deux fois, Océanie deux fois, Venezuela et Algérie deux fois. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Trente-neuf points. Horizontalement en D8, en collante sous les quatre premières lettres de foudre, nous posons Vanna. V-A-N-N-A. Verticalement, on forme Fa, On, Un et Da avec les quatre premières lettres de foudre. Vanna, V-A-2-N-A, en D8, ça fait 39 points. Reliquat deux lettres, Océanie deux fois. On ajoute Québec Q, Québec. Canada C. Hongrie H. Algérie A. Portugal P. Vous jouez avec Océanie deux fois, Québec, Canada, Hongrie, Algérie et Portugal. Chrono. Il vous reste 20 secondes.
le coup est terminé. Un maximum à 31 points horizontalement en C5, de façon à transformer essai en CC. Nous posons coq, C-O-Q. Le C vient donc devant essai pour former CC, C-E-2-S-A-I-E-N-T. Coq en C5, ça vaut 31 points. Reliquat de 4 lettres, Algérie, Hongrie, Océanie et Portugal. On ajoute Roumanie, R. Norvège, N. Uruguay, U. Vous jouez avec Algérie, Hongrie, Océanie, Portugal, Roumanie, Norvège et Uruguay. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Points horizontalement en O12, on appuie sur le E joker de Yen. Nous posons UE, H, U, E, R, UE, H, U, E, R en O12, ça vaut 30 points. Rolika, vous avez 4 lettres, Algérie, Norvège, Océanie, Portugal. C'est un tirage valide. Et donc vous cherchez avec Algérie, Norvège, Océanie et Portugal. Chrono. Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Un maximum à 17 points, verticalement en 15A sur le S de foudre. Nous posons pas, P-A-S. Le A formera R-A avec le R de remiset. Pas, P-A-S en 15A, ça vaut 17 points. Reliquat de 2 lettres, Norvège et Océanie. Eh bien, c'est de nouveau un tirage valide, donc vous cherchez avec Norvège et Océanie. Chrono.
Il vous reste 20 secondes. Le coup est terminé. Le top de ce qui sera donc le dernier coup de cette partie, partie à vocabulaire courant, partie normale à vocabulaire courant, s'élève à 9 points. Horizontalement en L7, nous posons nos N-O, le O transformant mais en omé au E-B-T. Nos N-O en L7, ça fait 9 points. Voilà, vous avez joué une partie en 21 coups et le top cumulé est de 931 points. Voilà, c'est fini. Mais on va passer tout de suite au décodage de cette partie. Jingle. Alors, le décodage, comment ça se passe? C'est en trois temps. Premier temps, on passe en revue tous les coups de la partie pour voir les isotopes, les sous-tops. Deuxième temps, les principaux sous-tops, hein, bien sûr. Deuxième temps, on passe en revue je fais défiler, je vous donne lecture des définitions des mots peu courants. En l'espèce, comme c'est une partie à vocabulaire courant, il s'agira principalement des sous-tops et des isotopes. Comme par exemple axile au premier coup, hein, on verra la définition tout à l'heure. Et troisième temps du décodage, les potentialités des tirages. On passe en revue tous les tirages de la partie pour voir quelles étaient les solutions en 7, 8, parfois 9 lettres aussi, possibles, et qu'on n'aurait pas vu ni pendant la partie, ni pendant le défilé des sous-tops et des isotopes. Voilà. Et puis en bas, vous avez deux petits bandeaux qui défilent. Alors le premier, c'est les mots de la partie que j'estime intéressant à retenir, alors soit des mots directement issus de la partie, soit qui s'en approchent, hein. Par exemple, on a joué fibre, bon ben je vous invite à retenir le verbe fibrer, même si on ne l'a pas joué, fibrer et défibrer. On a eu en sous-top, on a eu un moment où il y avait le verbe vaser, donc je vous indique vasa en sous-top, voilà, je vous indique qu'il y a le verbe vaser, donc, et puis les verbes évaser, dévaser, envaser, etc. Voilà, donc ça défile en bas, je vous laisse regarder ça de temps en temps. Et la deuxième ligne, c'est un tirage intéressant de la partie, donc c'était copulé, couplé plus joker. Vous voyez les solutions qui défilent et on les reverra tout à l'heure pendant le troisième temps du décodage. Voilà. Donc, au premier coup, on a joué Exila et on avait pour le même score Axil. On verra la définition tout à l'heure, ça faisait 50 donc tous les deux. Sous-top à moins 2 avec Silex à 48, Axel faisait 30, Axil au singulier également, Exila sans le S, pareil, 30, Exil au pluriel, Lexis, tout ça, ça faisait 30, Sexer, le verbe Sexer, Nix au pluriel, voilà, tout ça faisait 30 points. Le coup d'après, on a retenu essai. On pouvait également jouer satiné, tanisé sur la place. Alors on a retenu essai parce que déjà c'est le verbe essayer. On peut mettre un R devant pour réessayer. Mais il se trouve aussi que AIENT, c'est la terminaison de l'imparfait au pluriel, troisième personne. Et donc ça marche pour les verbes qui se termineraient à l'infinitif en E2SER. Et donc on a fessé et cessé. Avec un C. Je crois que c'est tout. Je suis allé vérifier, en fait, il y a une troisième possibilité, c'est le V. Le verbe VC. Donc, il y a les verbes CC avec un C, FC avec un F et VC avec un V. Donc, c'était les trois, plus le R, de réessayer. C'était les quatre possibilités de rallonge en une lettre ici, d'ajout d'une lettre. Donc raison pour laquelle on a choisi essai par rapport à satiné et tanisé. Voilà.
Donc ça faisait 82, tout ça. Entassé en 8A faisait 77. Le même mot, mais terminaison EE en 3B, 70. 68 en 3A ou 3H. Et puis en Scrabble sec, on avait séante ou entasse à 65, 61. Satané, 61. Et puis après, on Scrabble plus. On a extase avec le. Voilà, on double avec le X, on marque 32 points. Extase, sexat, texane. Le coup suivant. Alors, on a joué fibre. On avait pour le même score web sur le même E, en mot double également. Avec les deux lettres chair et semi-chair qui doublent, mais pas le E. Ça fait 27 en 3G, le même mot, web. Fuir en 4A, le F qui double, le mot qui double, ça fait 26. Et puis on a aussi un petit biwa, W qui double, à 25. Voilà. Le coup suivant, beaucoup de voyelles. On se contente d'un petit web à 28, donc pour le top. Et sous top, ce seront des mots comptes triples sur le F de fibre avec floué et foulé. On a également awélé en G8 ou I8. À 26, tout comme Wallé en 6A, Wallé Wally en 2A et Ewé en 4K. Alors, pas de R pour dégrever, on va voir s'il y a d'autres potentialités tout à l'heure. On a topé avec Fèvre à 33, sous top Ewé EES à 32, donc sur le W en mot double. Fédé, même place que Fèvre, fait 6 points de moins. 27, Ève en 6A, ça fait 26, tout comme Ewé en B2, au féminin ou au masculin pluriel. Le coup suivant, alors là c'était pas évident, hein. Dénier, on fait IEZ, mais bon, je trouve pas ça facile, moi, quand même, malgré tout. Donc Scrabble unique, ce qui fait que c'est pas facile, parce qu'un Scrabble unique, même si le mot est courant, ça peut toujours surprendre. Donc, sous top, 40 points avec gaz et 39 avec gaze. G-A-I-Z-E, on verra la définition tout à l'heure. En J5, on avait nagier, le Z qui triple, à 38. Alors, le coup d'après, on a joué copulé. Pour le même score, on pouvait jouer couplé. Non, pas, pardon, pas pour le même score, mais au même endroit pour 2 points de moins. Couplet et puis ces deux mots qui sont anagrammes, hein, passés également en C5 pour faire cesser. On en a parlé tout à l'heure. Et donc ces quatre possibilités, c'était respectivement 74, 75, 76 et 77 points. Ensuite, sur le A, on peut conjuguer en 7A avec copulera à 66 et couplera à 64. Copper en B1, c'était le top sans scrabler à 42. Alors ici, deux possibilités. On a joué remiser, on pouvait jouer miserer également. Donc ces deux solutions faisaient 82. Le mot double et on transforme copulé en copulera. On transforme copulé en copulera, mais on ne double pas avec mairie, M-A-I-R-I-E-S. Ça ne fait donc que 76. Et puis ensuite, on a pas mal de possibilités sur la ligne, sur la colonne, pardon. 12. Et la colonne 13 à 72 et 70 points. Voilà. Émériser, émilleurer, rimerer, maïserie, mirerer, etc., etc. Remiser fait aussi 70 en C5 pour former récé. On en a parlé tout à l'heure. Limerer 68. Sans scrabler le Z. De dénier permet 54 points avec zamier. Alors ensuite, ça c'est un joli coup aussi parce que le osé là il faut pas le rater. Établi 83, sous-top 64 avec bleuté, donc un sous-top assez éloigné, un 19 points de derrière. Blétira, pas facile non plus à construire, 62 points. Donc ça, c'est un coup difficile parce que établi, ça peut être un mot de vocabulaire courant, il est bien planqué là quand même. Et puis après, en 1J, avec le B qui double, le mot qui triple, on a quelques solutions à 36 points, débati, débita et déblai. Le coup d'après,
foudre ou fourme, avec le F qui double, le mot qui double, ça fait 30 points. Les deux mêmes mots au singulier, 2 points de moins. Et puis après, en 15 E, on fait if, copulera avec un S, fu, 26 points. Alors ici, on verra les appuis du tirage tout à l'heure. Ça ne scrable pas. On avait le choix entre morue là-haut, mais j'ai préféré éviter pour laisser un peu de place. Et donc entre dûment et dompté, bah, j'ai pris dûment parce que ça prenait un U. Voilà, donc ça équilibrait un peu le reliquat. Et donc on avait dompté pour le même score. Muse en 15A, ça fait 24. Le coup suivant, les 3 N empêchent un peu la perspective du Scrabble. Et puis la grille est un peu fermée. Enfin non, ça va, mais bon, voilà. 3 N, 2 O dans un tirage, c'est pas facile pour scrabler. Donc un petit coup à 16 points, sous top à 14 avec l'U, NU ou qui forme WU, WU. Le coup d'après, mijote. En mot double, ça fait 30 points. Même place pratiquement, emoji à 28 et HE en B10, ça fait également 28, tout comme mignotte, M-I-N-H-O-T-E. Je vous ai pas mis la définition, je vais vous l'ajouter. Voilà, alors, et on les fera défiler tout à l'heure et je leur donnerai lecture, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, mijote, le coup suivant, on a le joker, mais voilà, on aurait pu, peut-être ça aurait pu scrabler sans le Y, mais voilà, ben, on a le Y, hein, on scrable pas, on a Yen qui fait mijoter et E, si on place mal le joker, on perd un point. Hype, joker P en 6A, ça fait 46, donc pour former fibré et E. Le verbe, le Y qui triple. Idn en 12A, le H qui double, le Y dans le mot, plus le mot qui double, ça fait 44. Et puis on a pareil avec, en mettant un S, joker au bout de boulon, les mots de 3 lettres avec le Y, né avec un A, né avec un E et yen, font également 44 points. Le coup suivant, gueulard sur un U, graduel, on a topé avec graduel, on verra les autres appuis tout à l'heure. Scrabble unique, donc toujours délicat. Garde ou gaude en D8, ça fait 34 en collante. Diwar en B1, ça fait 30. Lardé, ça fait 30 aussi, de nouveau en collante. Ensuite, avec le K, on a un joli tech en triple là-bas, en bas, à 51. Et puis sinon, Ken, Ket à 33, tout comme Kote, Koto et Kuna, et tech également en bas. De nouveau, donc les cotes Koto et Kuna, c'est avec le K sur une case bleu foncé, un classique. Lettre chère sur les cases bleu foncé pour marquer au moins 30 points, quand il s'agit des lettres à 10 points, bien évidemment. Alors ici, je ne sais pas s'il y avait des scrabbles avec ce tirage possible, mais on verra tout à l'heure. Donc Vanna en collante, levé qui double, ça fait un beau score, 39. Vasa du verbe vaser en 15A, ça fait 30. Vina en 2C, jolie petite place, pas très cher payé, 23 points. Le coup d'après, là, on transforme essai en CC, donc ça c'est pas évident, hein, il fallait y avoir pensé. Si c'est le cas, je vous félicite. Donc coq à 31, et puis plusieurs sous-top à 29 avec le H en pivot sur la case rouge en bas, A et O. Idem, mais sur une case bleu foncé, 26 points ici. Chop, S-H-O-P, pardon, C-H-O-P en L6, ça fait 24. Et enfin, on se rapproche des derniers coups. UE avec le H qui double, le mot qui triple, ça fait 30. Sous top, et ben c'est pareil que tout à l'heure. Voilà, on a presque les mêmes possibilités. Allez, sans grand commentaire, là, on a joué Papé AS à 17, on avait posé à 16 ou Pan en E7. Et le dernier coup, on a transformé Mais en Omé pour 9 points.
Voilà, donc on a fini le passage en revue des coûts de la partie pour voir les isotopes et les sous-topes. Et on va passer maintenant aux définitions. Donc je vous les fais défiler, elles ne sont pas forcément dans l'ordre. Et puis vous aurez aussi les définitions de quelques mots qui vont apparaître après dans les potentialités des tirages, notamment le tirage copulé, couplé plus joker. Alors, axile, adjectif qui forme un axe. Donc ça s'écrit toujours A-X-I-L-E. On ne s'écrit pas sans le E. Fibré signifie équiper un immeuble de la fibre optique. Ewé, adjectif d'un peuple du Togo. Floué, un verbe familier pour dire dupé. Gaze, c'est une variété de grès. La fourme est un fromage bleu du centre de la France, la fourme d'Ambert par exemple. Emoji, c'est la même chose que émoticône. On dit smiley aussi. Hype, H-Y-P-E, adjectif et nom féminin, la pointe de la mode, donc on peut le mettre au pluriel. Hidn, un champignon comestible des bois. Se vaser au Québec signifie se couvrir de vase. Croupal, donc là c'est on les a pas vus en top, mais c'est quelques mots du tirage couplé, copulé plus joker. Donc croupal, adjectif qui a le caractère du croup. Du croup, pardon. Le croup étant l'ancien nom de la diphtérie. Rupicole, un grand passereau, comme le coq de roche. Coupleur, en technique, c'est un dispositif de couplage, donc il n'y a pas de coupleuse. Attention, hein. Coupleur, pas de coupleuse. Opercule, operculé, c'est un adjectif, donc voilà, intéressant à connaître. Picoleur, picoleuse, voilà. Gaude, en botanique, c'est une variété de réséda. Diwar, en physique, un récipient permettant de conserver le froid. Et mignotte, adjectif du Minho, province du Portugal. Voilà, c'est terminé pour les définitions. Maintenant, on va passer aux potentialités des tirages. Donc, je reviens au premier tirage et je change mon affichage. Nous y voilà. Alors, le premier tirage ne permettait pas de scrabler en 7 lettres, sinon, évidemment, nous l'aurions fait. Et il y avait une possibilité en 8 lettres qui était Alexine sur un E. On va regarder par curiosité les 9 lettres. Relaxine, xénélasie, exalion, exaltion, relaxion. Voilà, le tirage suivant. Alors, que n'avons-nous pas vu? Absente, béas, cessante, séquente, dentasse, du verbe denter, néfaste, anthèse, mécéant, Asène, espante, pensate, pesante, entassé, er, entrasse, réas, rentasse, tentasse, du verbe tenter, asseille, essaye avec un y, sénette, essayante, et entassé sur un z. Je vous épargne les 9 lettres, parce qu'il doit y en avoir beaucoup. Alors ici, on n'a rien en 7, rien en 8, rien en 9. Ici, c'est pareil. Là, eh bien, rien d'autre que dégrévé en 8 lettres et en 9 lettres, décévage, dévisagé, dégrévé et eux, bien sûr, dégivré, dévierger, dévergue, et c'est tout. Le tirage suivant, eh bien, il n'y avait rien d'autre que dénier en 8 lettres et en 9 lettres, dégainier, désinguer, indaguer, pardon, vidangier, gaudirier. Ok. Alors, le fameux couplet, copulé plus joker. Donc, on a évidemment copulera, couplera. On les a vus. Croupal, opercule, operculé. Picoleur, rupicole, octuplé et coupleur. Donc, j'insiste bien, hein, coupleur, c'est un nom masculin. Il n'y a pas de coupleuse. Je ne vous mets pas les 9 lettres, il y en aura beaucoup. Allez, quoique, peut-être un ou deux qui seront jolis. Alors,
forcément ceux-là, on les a vus. Oula, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Chaloupé, placoteur, pour les chats. C'est pas pour les chiens, c'est pour les chats. Épluchoir, pourliche. Ah, épluchoir et pourliche, c'est absolument splendide, ça, comme anagramme de 9 lettres. Liposucé, couper le lait, compulsé, corpulent. Ah, c'est un magnifique tirage quand même. Hein. Pour les 9 lettres, là, il y a de jolies choses. Alors, ensuite, bon, là, il y a par contre 35 milliards de choses, là, en 8 lettres. Aimerait, escrimer. Bon, je vais aller voir s'il y a autre chose que des conjugaisons. Et on a à peu près tout vu. En plus, Emirati au pluriel. Ouais, bah sinon, c'est à tamisier. Voilà. Alors ici, que n'avions-nous pas vu? Batelé, établé, botelé et bletsé, rétabli. Alors, là, il n'y a rien en 7, rien en 8, et mort fondu en 9 lettres. Alors, là, on avait sec. Alors, on n'a aucune place pour scrabler, donc on n'a pas scrablé, c'est un peu frustrant. Coutume, émoulu et mouture. Coutume au pluriel, du coup, moulute, remoulu, moumoute, montueux, mousquet, mourute, et c'est tout. C'est déjà pas mal. Alors ensuite, là, bon, il y a trop de haine pour que ça puisse se scrabler. Oh en 9 lettres quand même, sur PS, nonuplon. C'est absolument splendide. Waouh. Ça, c'est le genre de truc... En plus, ça peut passer hein, sur un P et un S espacé. Nonuplon en 9 lettres. Ça fait mal. Alors ici, rien en 7, rien en 8, rien en 9. Et là, on avait Anthony, Méniante en 9 lettres, Cingnat, encore des trucs de fou. Alors ici, on a, donc celui-là, on l'a vu, Déglura, Dérégula, Glandeur, Graduel au pluriel et Gueulard, je l'avais dit. Oralement. Ici, on n'a rien. En 7, rien en 8. Là, en 9, Ovationa. Bon, là, pour le coup, on ne peut pas le jouer parce que ce serait sur TI à la suite et ça, c'est pas possible. Ici, on n'a rien. Ici, Phonateur sur TE. Et c'est le dernier tirage. Donc, on va rester dessus. Voilà, Phonateur. Phonateur, phonatrice, organe qui émet la voix. Un organe phonateur. Magnifique. Allez, écoutez, merci d'avoir suivi cette partie et son décodage. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris 2-3 bricoles. Et puis surtout, si la chaîne vous plaît, eh bien, vous n'hésitez pas, vous abonnez. Vous avez le petit bouton rouge en bas là, sur lequel il y a écrit s'abonner. Si c'est en rouge, ben, c'est que vous n'êtes pas abonné. Donc il faut que vous cliquiez dessus avec votre compte Google ou Gmail et puis vous serez abonné. Si c'est grisé avec écrit abonné, c'est que tout est correct. Donc voilà. Et puis sinon, vous pouvez aussi parler de la chaîne autour de vous pour qu'on soit un maximum à se donner rendez-vous tous les jours pour sauf le dimanche pour l'instant pour jouer au Scrap Duplicate. Voilà, allez, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.